Avant que vous ne sortiez, je me permets de vous rappeler que vous devez me rendre une rédaction de 500 mots vendredi. Et c'est aussi valable pour vous deux. J'espère que vous avez bien compris. C'est pour vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire, Bulk? On n'a même pas encore commencé. On doit pondre un texte sur un sujet qui nous intéresse, c'est ça? Les filles, les Koubas, les marrons. Tu es malade? On aurait trop de choses à écrire. On ferait bien mieux de parler des véritables identités des Power Rangers. Salut Tommy. Tommy? Oh, Kim, je suis désolé. Est-ce que ça va? Oui, c'est ce rêve dont je t'avais parlé qui... Ah, celui où tu perds tes pouvoirs. Oui, ça va faire 3 nuits de suite que je fais le même rêve. Je commence à penser que c'est peut-être le signe que mes pouvoirs arrivent à leur fin. Écoute, essaie d'être un peu positif, Tommy, tu veux? Ouais, d'accord. Ce n'est pas possible, ces rêves te démoralisent, mon cher Tommy. Attends seulement que je me sois emparé de l'épée de justice, et à ce moment-là, tes rêves seront un vrai cauchemar, mais les miens une réalité. Le Ranger vert est affaibli. Oui, et nous allons en profiter pour l'enfoncer davantage. Mais avant de le détruire totalement, je veux m'emparer de l'épée de justice, et elle n'apparaît que quand les Power Rangers sont tous rassemblés. Oui, mais comment pourra-t-on leur prendre l'épée de justice s'ils sont tous ensemble, mais... Dites-le-moi. Il faut les séparer, les attaquer les uns après les autres, en commençant par Tommy. Envoyons-le dans la dimension des ténèbres. On le persuadera de nous remettre l'épée de justice, et quand il l'aura fait, je pourrai enfin me débarrasser des Power Rangers pour toujours. Et il est capable de brouiller des signaux électroniques à plus de 25 mètres. Et si j'arrive à en construire un plus puissant, on pourra s'en servir contre le Seigneur Z. Waouh, ça a l'air fantastique. Salut, ça va? Quoi de neuf? Oh, la routine, je dois écrire un devoir de 500 mots sur le sujet qui m'intéresse le plus. Et qu'est-ce que t'as choisi? La mythologie. T'es sûr que tu vas découvrir la véritable identité des Power Rangers avec ce truc? Oh oh, voilà les problèmes. Bien sûr, espèce d'idiot, je l'ai acheté dans une boutique d'espionnage. Et tu sais à quoi ça sert? Ça sert à mesurer les très forts tons d'énergie comme une sorte de radar. Les Power Rangers doivent être chargés d'énergie. Et grâce à ce truc, on va pouvoir les trouver. Oh, Bulk, ton appareil est devenu fou. Les Power Rangers doivent être tout prêts. Allez, approchez les amis, dépêchez-vous. On va enfin pouvoir vous dire qui sont vraiment les Power Rangers et où ils se trouvent. J'espère que tu n'as pas dépensé trop d'argent pour ce truc. Nous avons eu vraiment très chaud. Maintenant, je sais au moins que mon brouilleur fonctionne. Félicitations, Billy. Tu les as bien eus. Oh, il va falloir que j'y aille. Je dois passer à la bibliothèque avant qu'elle ferme. Au revoir. Salut. Bon, où est passé ce pathétique Ranger vert? Oh, parfait. Il marche tout seul dans le parc. Quels sont tes ordres, Seigneur Zeng? Débrouille-toi pour le faire capturer. Après, tu l'enfermeras dans la chambre noire pour le faire parler. Oui, le faire parler. Oh non, c'est pas vrai. Sois le bienvenu dans la chambre des ténèbres, Ranger Vert. Qu'est-ce que tu veux, Goldar? Oh, moi je veux ce que veut le Seigneur Zed, et c'est justement toi qui veux. Quand j'en aurai fini avec toi, ton esprit sera entièrement contrôlé par le Seigneur Zed. Tu rêves, Goldar? Oh non. Après, tu retourneras près de tes amis et tu les convaincras d'appeler l'épée de justice. Tu la voleras et tu me la rapporteras. Jamais, jamais je ne trahirai mes amis, Goldar. Ça jamais,
Oh, si tu vas le faire, Tommy. Je vais t'obéir, Golda. On se croirait revenu en arrière, n'est-ce pas, Roger Fair? Ton esprit ne t'appartient plus désormais. Qu'est-ce que j'ai que ça? Je trouve que cette créature ferait un fantastique guerrier. Que penses-tu de cette image? Est-ce que tu me donnes ton approbation, Seigneur Zen? C'est parfait. Je vais me servir de ce monstre pour attirer les Power Rangers dans mon piège. Adieu, les Power Rangers! Dites bonjour à RoboGoat, le RoboBook! C'est moi, RoboGoat, le RoboBook. Et je suis prêt à envoyer paître les Power Rangers. Semble indiquer que le Seigneur Zed a un nouveau monstre prêt à nuire. Les premières analyses montrent qu'il a une très forte capacité de distorsion sonore. Que doit-on faire? Contacte immédiatement les Power Rangers, Alpha. Message reçu, Zordon. C'est comme si c'était fait. On se fait une partie? Ah, bonne idée. On t'écoute, Zordon. Le Seigneur Zed vient de créer un nouveau monstre redoutable appelé RoboGoat. Préparez-vous à vous téléporter ici pour recevoir vos instructions. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Salut. Ah ben, c'est pas trop tôt, tu tombes bien. Le Seigneur Zed fait encore des siens. On va se téléporter. Hé, hey, regardez! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voici RoboGoat, le RoboBook. Et sa force lui est fournie par des sources mystiques et mécaniques. Vous devez l'arrêter avant qu'il n'atteigne votre ville. Alors je viens avec vous. Pas question, Tommy. Tu dois économiser tes pouvoirs. On peut avoir besoin de toi pour un combat plus important. Oui. Attendez une minute. Zordon, si on fait appel à l'épée de justice, peut-être que ça nous donnera un surplus de pouvoir qui me permettra de me battre. Ça peut marcher, ouais. Ça vaut le coup d'essayer. Épée de justice! Mais t'es fou! Je vous ai bien vu! Tommy! Vos heures sont comptées, Power Ranger! Non, mais c'est pas vrai, je rêve! Mais c'est la deuxième fois que ça lui arrive! L'épée de justice! Excellent travail, Ranger Père! Maintenant, tu vas la remettre à un de mes grands amis. Allez, qu'on a assez perdu de temps. Donne-moi cette épée. Ton esprit est à nouveau libre. Oui, libre d'être détruit, car je vais supprimer les pouvoirs de tous les Rangers, à commencer par toi, Ranger Vert. Non. Vas-y, bats-toi, Ranger. Utilise tes derniers restes de pouvoir. C'est exactement ce qu'on voulait que tu fasses. Transmutation demandée. Dragon, sort. Où est-il passé? Allez, viens te battre! Il faut que je récupère l'épée de justice. Même si c'est la dernière chose que je fais. La voilà! Vous ne me forcerez plus jamais à trahir, mes amis! Je vais reprendre notre épée! Si tu veux l'épée de justice, il va falloir que tu te battes d'abord avec moi, Ranger Vert. Pas de problème, espèce de bouc! Tu appartiens déjà au passé! Pas tant que j'aurai l'épée! Cette épée appartient au Power Ranger! Tu veux l'épée? Tiens, la voilà! Comme je te le disais, tête de chèvre,
L'épée appartient aux Power Rangers et à personne d'autre. T'as compris? Tu te trompes, elle est à moi et je vais m'en servir pour t'enlever tes pouvoirs. Tu peux toujours essayer, je t'attends. Quoi? Ce n'est pas. Où est-ce qu'il est? Toi, est à moi. Non, pas encore, fais-moi confiance. Adieu, Ranger Bell. Ils disparaissent. Il faut que je prévienne les autres. Alpha, as-tu réussi à localiser Tommy? Oui, je l'ai repéré. Je vais aller le voir. Tommy n'est plus sous le contrôle du Seigneur Z, mais ses pouvoirs s'évanouissent. Il a besoin de votre aide. Transmutation demandée. Mastodonte. Pterodactyle. Triceratops. Smilodon. Tyrannosaure. Bienvenue les amis. J'ai Robocop, Robobook, et il a l'épée de justice, prêt? Oui, je suis prêt pour votre destruction. Vous ne serez bientôt plus qu'un vieux souvenir. Que le spectacle commence. J'ai donné attention. Quelle force! Très bien les Rangers, en position d'attaque. Franchement, je préfère m'occuper de vous l'un après l'autre. À toi l'honneur, Ranger Rouge. Quant aux autres, vous n'avez qu'à attendre votre tour sous terre, là où vous serez bientôt. Non, ah, 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 non, 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 non. Je vais les remonter. Oh, oh, mais quoi encore? Dès que vous aurez volé vos pouvoirs, plus rien n'arrêtera le Seigneur Zed. Tu peux toujours courir, Robogote. Même seul, je peux encore te battre. Pourquoi tu ne demandes pas à ton ami le Ranger Vert ce qu'il en pense? Tu vas subir le même sort que lui, Ranger Rouge. Très bien. Tant pis pour toi. C'est mieux d'abandonner. Même avec l'épée de justice, tu ne peux pas gagner. C'est pas possible. Où est passée l'épée? Jordan a dû la téléporter au centre de commande. Maintenant, je vais t'apprendre à oser défier les Power Rangers. Tu vas me rendre mes amis. Ils sont ici, Ranger. Tu n'as qu'à venir les chercher. Je vais les revenir. Non, non. Je commence à étouffer là-dedans, c'est pas possible ça. Vite les amis, regroupez-vous. On va enfin finir avec ce bouc et retrouver Tommy. Yeah oui. Il est temps d'aider notre guerrier. Alors les Rangers, vous aimez les difficultés? Eh bien essayez celle-là de ma part. Bon, fini le jouet les amis. Pouvoir Mastodonte, Lion Tonnerre de Zord. Oiseau de feu, tonnerre de Zord! Triceratops, licorne, tonnerre, Zord! Milodon, Griffon, tonnerre de Zord, à moi! Tyrannosaure, dragon rouge, tonnerre de Zord, à moi! C'est pas comme ça que vous pourrez battre Robogone.
Dragon Zord, en position de combat. En position. Très bien, les amis, finissons-en. Tonnerre de feu, action. Vous n'avez pas le droit, c'était pas prévu au programme. Bataille, action! Oh non! Mais regardez ce que vous avez fait. À défaut de signer une décharge, vous allez en prendre une. Je suis toujours en vie. Je t'écoute, Jordan. Adieu, les Power Rangers! Jordan, est-ce que tu sais où est Tommy? On a besoin de lui. Oh non! Mon rêve est devenu réalité! Mais tout n'est pas perdu. Courage, petit. Fais-le une dernière fois pour tes amis. Ça ne marche pas. Oh non! On va finir par tomber! Il faut vite le stabiliser! Vous êtes perdu. Le système directionné est endommagé, mais il n'est pas détruit. Billy, vérifie-le. Jordan, ils ont besoin de moi. S'il te plaît, aide-moi à me battre. Ah non, ce n'est pas vrai. Toujours rien. Ouais. Ça y est, tout fonctionne à nouveau. Bravo, les amis. On va lui montrer qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Oui. Ne me faites pas peur. Les Power Rangers ont réussi à détruire mon précieux Robobook. Et toi, tu m'as fait perdre l'épée de justice. Oh, pardonne-moi, je suis désolé de t'avoir déçu, mais... Mais je ne sais pas pourquoi je ne te coupe pas les ailes. Oh, espèce de singe. Et vous deux, vous avez encore échoué comme d'habitude. Je devrais vous tirer les oreilles et me débarrasser de vous comme de Rita. On n'a rien fait du tout. Ouais, on est innocents. Enfin, tout n'est peut-être pas perdu après tout. Même si nous n'avons eu l'épée de justice que pendant très peu de temps, nous aurons au moins appris que les pouvoirs du Ranger Vert feront bientôt partie du passé. Et le dernier chapitre reste toujours à écrire. Alors, ça a marché la disserte? Ouais, pas trop mal. Bon, même si je peux vous avouer que j'en ai un peu assez de cette histoire d'épée. Tu m'étonnes. Je suis fini, vous savez. Mais Tommy, ne dis pas ça. Mes pouvoirs sont presque épuisés. C'est ce que me disaient mes rêves. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Tu as déjà vécu ça, n'oublie pas. Et tu t'en es sorti plusieurs fois. Oui, mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois, c'est pour de bon. Le Seigneur Z le savait depuis le commencement. Alors, il va tout faire pour m'achever. Et je crois qu'il va y arriver.